Obéis, Richard. Je voudrais voir ça. Tu ferais mieux d'obéir, Richard. Non, inutile de faire le fanfaron quand ce qu'elle est là qui vous regarde. Je m'en fiche. Stéphane. Allez, emportez-le. N'aie pas peur. Là, il ne s'est crâné qu'avec les gosses. Allez, emportez-le. Pas encore un souffle de vent. Quand je pense que nous pourrions déjà être arrivés. Tu crois que ça va durer encore longtemps? Bah, qui sait? Des jours, des semaines. C'est ça qui me met en colère. Tant de bras inutilisés. Tant de temps perdu. Le blé commence à fermenter dans la cale. Et ne rien pouvoir faire, attendre comme ça, stupidement. Moi, je voudrais que ce voyage ne finisse jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous sommes si heureux ainsi. Et demain, qui sait? Demain? Demain, ce sera la même chose. Nous serons toujours heureux. Encore tes craintes qui te reprennent. Mais je ne comprends pas. Tu m'aimes? Oui. Eh bien, moi, je n'ai jamais pensé qu'on pût aimer un être comme je t'aime. Attends-moi. Tous au poste de manœuvre. Allons, dépêchons les gars. Mettez tout à poil. Larguez les huniers. Ça ne va pas vite aujourd'hui, ils ont la flemme. Dépêchez-vous, allons. Ah, Morand, décidément, dans vos magasins, on respire une odeur de poisson abominable. Ça me désole, comte, mais il est impossible de les parfumer à la violette. Faites attention, les sacs déchirés, mettez-les de côté. C'est un métier de chien, on s'y perd avec tout ce détail. Mais de quoi vous plaignez-vous désormais? Vous êtes le patron. Courrier n'a confiance qu'en vous, son fils navire. Et moi, je reste ici à moisir. Belle carrière. Après 30 ans de mer, finir ainsi. Mais compte,